كنا ندخل في المحاضرة بشكل رياضي يقدر يتقدم شوطين ويدينا شويه لورا ويدي التعاصي مع الدبلوماسية تعبنا بالفريق تاعنا عندنا اصابات تاعنا في الساسي بكريم على غير الحاجة اللي تجيك الاصابة في المقابلة كما يقول هذيك التسمية الكاس التسمية الاولمبية راهم كلها اضرب عليهم بون توش المولودية اليوم في البنك السياسي، المولودية عندها سامحني والله الحمد لله ونكون كونتينياسيون وهذا هو الفكرة. Avant de répondre à votre question, je voudrais envoyer une grande pensée à Yacine Sriri, qui est un supporter du Mouloudia, qui a été blessé à Magra, qui est dans le coma. Donc, tout le peuple mouloudien, tout le club, les joueurs, les dirigeants et les staffs lui souhaitent un grand rétablissement. On espère tous qu'il va pouvoir se guérir très vite. Oui, effectivement, ce soir, c'était un match de football, un vrai match de football, où on a vu demi-temps, une première, je pense, pour l'avantage du CSC, qui avait eu l'intention de nous poser des problèmes, de faire sauter notre premier rideau de pressing et puis d'être présent au deuxième ballon. Donc c'est toujours difficile lorsque on démarre mal le match de pouvoir rectifier avec l'intensité, avec la concentration. C'était difficile de changer durant cette première mi-temps. Mais je dirais que la deuxième mi-temps et les prolongations ont été à notre avantage. On a été digne de ce que j'aime faire, c'est-à-dire presser, essayer de jouer. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait être patient et calme, et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'on sentait qu'on avait les moyens techniques, physiques et même collectifs pour aller au bout de cette équipe du CSC qui était rigoureuse, qui avait envie elle aussi d'aller en finale. Donc je pense que le seul regret que j'ai ce soir, c'est que ce stade soit vide, parce que je pense que ça aurait été extraordinaire, mais j'ai déjà vu des vidéos de Babelwed que je crois est fermée, la Casbah, tout le monde est en feu, et je leur dédie à tous les supporters et tous les amoureux du Mouloudia, je leur dédie cette victoire parce qu'ils le méritent et ils l'attendaient depuis si longtemps. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.